Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Dépendamment de l'heure où vous regardez la vidéo, ça, non, pas M. Jean-Claude Vivens, qui a présenté une autre édition, une page dans Histoire Compas. Page ça dans Histoire Compas, nous avons mis dans la catégorie pour nous apprendre, comprendre tout, parce que je suspecte qu'un pile dans nous va apprendre un pile bagaille. Je vous dis là, je vais parler de Timbales. Timbales, c'est un instrument qui est utilisé dans le compas direct dans le passé. Et que de nos jours, nous ne jouons pas sous stage compas direct là encore. Dernier jazz, en date que moi-même, j'ai fait expérience qui était utilisé Timbales, c'est la formation Phantoms dans les années 1990. Si je parle au nom de Timbales, il faut un petit moment pour me parler non tout, de Ernesto Antonio Puente, mieux connu sous le nom de Tito Puente. Monsieur était fait le 20 avril 1923. Il était mort le 1er juin l'an 2000. Si nous avons parlé de football, naturellement, faut nous avons mentionné le roi Pelé. Mais c'est même gentil, si nous avons parlé de Timbales, faut nous mentionner roi Timbales, qui c'est Ernesto Antonio Puente, mieux connu sous le nom de Tito Puente. Contrairement à un pile d'autres artistes qui sortent dans Timbales et qui a joué batterie, mais Tito Puente lui-même était sorti sous batterie pour devenir le plus gros joueur Timbales que le monde jamais connaît. Hein? Donc, c'est ça qui fait l'hypoténon roi Timbales. Dans la photo, ça, au cas où Tito Puente a joué 4 Timbales et il a 4 feuilles de cymbales devant. Donc, Tito Puente, monsieur, c'est un américain portoricain, un portoricain américain, qui c'est pratiquement le monde reconnu comme plus gros joueur Timbales. Hein? Vraiment, et il y a un gros compositeur de musique. Tout. Par exemple, il y a une musique, monsieur, qui était immortel, c'est musique Oye Como Va. Latino yo, remet utiliser cloche sous tête Timbales là. Yo kon mette cymbal tout, et nous même tout, haïtien yo, nous utiliser cloche et nous mette cymbal tout sous tête Timbales là. Timbales, naturellement, fait partie de instrument percussion yo, qui nous connaît dominé par sa rele tambour. Tambour, c'est pas n'importe quel instrument. Tambour sont instruments qui véhiculent des messages, car si nous regardons dans le volou, qui message qui gagne à travers tambour, et aussi bel coup de baguette qui tombe sous deux tambours. Donc, Timbales sorti dans la famille tambour. Au fait, en français, moun qui bat tambour, ou supposé le tambour, même avec instrument. Donc, celui qui bat le tambour est un tambour. La carrière, pardon? Nous avons tendance à relayer au tambourier, nous relayer au tambourineur, mais tambourineur là, nous avons quitté pour le monde qui veut tambourer, mais nous utilisons mon tambourineur là dans le langage, là, nous avons parlé dans la société qu'on parle, dans la communauté qu'on parle, mais au fait, je pourrais dire encore, le monde qui bat tambour là, au supposé relayer le tambour, même là avec instrument. Celui qui bat le tambour est un tambour. Maintenant, il y a un ensemble de tambours formés à relayer. Yon jeu batterie. Mon batterie, hein, il était utilisé d'abord dans l'armée. Lorsque yote wè yon assemblage qui gen canon, qui gen mortier, qui gen obus, yote rele yon batterie. Donc, kon yon la, yon assemblage qui gen un jeu de tambour, qui gen la dan bass drum, nan, snare la, toms yo, qui gen la dan ride cymbals, hein, qui gen splash lan, qui gen crash lan, qui gen hi-hat lan, et ben là tout dans musique yo vin rele le même genre avec dans militaire là assemblage ça yo rele li batterie. Donc on batterie c'est un ensemble de tambour. Et de nos jours, nous rele moun qui jouait instrument ça batteur. Batteur c'est traduction mot anglais drummer, yo rele batteur, en français c'est batteur, mais dans le temps passé en Haïti dans les années 50, 40 même 60 yo, nous pas qu'on utilise mon batterie dans le langage jargon qu'on pas direct là, nous te qu'on utilise mon caisse. Je te dis, un tel joue caisse. C'est mon caisse là que nous te qu'on utilise au lieu de batterie. Mon batterie est devenu plus moderne dans les années 70, 80, 90. Donc, mais dans le passé, grand monde longtemps, c'est caisse que qu'on utilise pour te désigner instrument ça. Comme nous parlons de grand monde longtemps, on nous font monter dans le temps pour nous parler de quelques batteurs qui marquent la musique haïtienne. Par exemple, Jazz des Jeunes, te gagne lui-même un jeu de batterie et il te gagne tout Timbales là-dedans.
Donc, Jazz des Jeunes, tu as gagné Daniel Mayala, sous batterie, qui était un Koko Kenshin batteur qui marquait musique haïtienne. Tu as gagné tout Antoine Osselin, le débat monsieur Tino Antoine Batterie, qui était joué dans l'Orchestre Casino International. Dans l'ensemble Nemo Jean-Baptiste, nous avons joué Charles Delva, le télé de T-Charles, qui était joué dans l'ensemble Nemo Jean-Baptiste. Donc, là, nous avons joué, nous avons dit, monsieur, c'est le premier batteur qu'on peut dire. Mais, pas bravo, monsieur lui-même, c'est sous Timbales là que nous avons joué Charles Delva. Charles Delva était venu malade, il avait une tuberculose pendant une période de temps. Donc, c'était Fritz Prudent qui était remplacé, monsieur. Fritz Prudent, il était continué Napoléon. Et dans le Tino Napoléon, il était dérivé un autre Tino qui était Tinapo. Donc, monsieur, tout, il était joué batterie. Dans l'ensemble de Jean-Baptiste, mais encore une fois, Abdou, tout époque ça, dans le mot Jean-Baptiste, c'est Timbales là que vous avez joué. C'est pas Chita jouer batterie, mais c'était campé jouer Timbales. Edgar Lafontaine, dans l'ensemble de Bersico, la même chose. Pas de gars à faire de Chita jouer batterie, c'était campé jouer Timbales. Timbales là, encore une fois, m'a rappelé nous que l'influence là, c'est latino. Et pas oublier non ça, Tito Puente, il était en pile influence sous premier batteur nous dans l'histoire musique haïtienne. Tito Puente était en pile influence sur nous. Nous venons de voir qu'on a une époque mini jazzan, t'es bien de bons frappeurs tels que Martial Telfort, garçon Michel Merpil, qui était joué dans les ambassadeurs. Dans les fantaisistes de Carrefour, nous devons Lionel Lamar, qui était un style propre à lui-même. Dans Sonny Louis, que nous connaissons sous nos petits bœufs, qui était joué dans les difficiles. Des petits frères, monsieur Ernst Louis, Tines, qui lui-même, qui était joué dans Ensemble Select de Coupé Cloué. Ernst Louis, m'a rappelé, non, c'est petit frère Coupé Cloué que lié. Ok? Monsieur était joué dans Ensemble Select de Coupé Cloué. Et puis il y a Tico Sylvain, tout lui-même, qui était joué dans Bossa Combo. Mais de nos jours, depuis qu'on a parlé de batterie, le premier nom qui peut faire surface, c'est le nom de Richie. Richard Jean Erard. Un artiste qui, dans 20-25 dernières années, ça y est là, il peut être Mac Pal, il peut être emprunt dans l'histoire musicale haïtienne. Et nous sommes capables de remarquer que dans 20 dernières années, ça y est là, puis fort gros hit qui sorti yo sorti avec signature Richard Jean Erard Richie qui actuellement c'est leader la formation classe une pi gros jazz dans l'industrie. Nous gagnons tout Shelly Abraham. Shelly Abraham, yon lot batteur que moun respecte en pile, un pile artiste qui a fait album, yo essayé ouais qui moyen que ta capable non seulement à l'enregistrer car Shelly parce que Shelly a un studio d'enregistrement la Kali mais tout est-ce que Shelly a joué pour yo pour capable de toucher Shelly a sur album yo et il y a un pile album qui sorti de là quoi que jazz a un batteur principal li, mais le fait album il fait choix de Shelly Abraham pour jouer pour yo sous batterie là m'ga les photos ça pour capable montrer nous que Timbales là c'est un instrument vraiment qui t'est occupé une gros place dans l'histoire musique haïtienne. Timbales, que nous pas jouons aujourd'hui à sous stage dans la musique haïtienne, eh ben, pendant longtemps, c'est lui-même qui était une partie qui était dominée bande RA, surtout dans le Diaz de Jean-Baptiste, que nous gardé là dans la photo. Ça, bon, font avancer la caméra plus près pour nous capables de voir Timbales là. La première que tout, c'est un seul tambour. Qu'on peut dire qu'à jouer avec un seul tambour. De nos jours, Diaz joue avec deux tambours et des une période dans les années 80. Début 90, il y a un jazz qui était joué avec trois tambours, tels que Bossa Combo, DP Express, Sugar Combo, et il y a fait des intéressants à jouer avec trois tambours. Mais qu'on peut dire, dans un premier temps, c'est avec un seul tambour qu'il était joué, et m'a pas avancé la caméra pour nous capables de voir Timbales là, qui était occupé une grande place dans le bande. Là, on a regardé Timbales là. Sur l'écran, nous là, c'est Timbales, un instrument qui était occupé une grande place dans le bande, qu'on peut dire là. Quand on a rentré dans Jazz des Jeunes, son j'aime te dire, Jazz des Jeunes te joué avec un jeu de batterie plus un Timbales. On va avancer la caméra plus près pour nous capables de voir jeu de batterie plus Timbales. Quand puis devant, nous prenons le Phantoms tout qui t'a joué avec un jeu de batterie et puis un Timbales. Là, nous capables de voir jeu de batterie avec tout ça que nous avons expliqué tout à l'heure là qui est un jeu de batterie. Et à côté, nous voyons un monde qui campe derrière Timbales. Ok? Ça, c'est la formation Jazz des Jeunes. À rappeler que Jazz des Jeunes était là, existait même avant Jazz de Mou Jean-Baptiste là, avant Super Ensemble de Mou Jean-Baptiste. Jazz des Jeunes existait avant même création compare, avant même que de Mou Jean-Baptiste fait Jazz parle.
Jazz des jeunes était déjà existé et Jazz des jeunes était déjà qu'on a joué avec un jeu batterie plus Timbales. À la fin des années 90 pour entrer dans l'année 2000, tu as une tendance à introduction de batterie électrique dans HMI là. Eh ben, ça pas duré car deux trois jazz qui t'ai commencé essayer lui, il était tourné exactement dans jeu de batterie normal là. Côté yo gagné bass drum, snare, toms, floor toms, ride cymbals, splash, crash avec hi-hat. Maintenant, si on a parlé de batterie, on nous font parler de quelques artistes qui vraiment marqué histoire musicale haïtienne. Si nous considérons Tico Pasquet, Claude Pasquet, que nous connaissons sous Tico Pasquet, monsieur, tu commencé lui-même tout sous Timbales. Car, dans un premier temps, c'est dans le jazz latino que monsieur était joué et c'est là vraiment que tu tapé Timbales. Nous t'avons joué, monsieur, comme superstar dans la formation des Gypsies et pour Mini Jazz. Hein? Nous t'avons joué dans les frères des gens. Et puis nous venons, monsieur, dans le jazz parle que tu écris avec Frère Dadou Pasquet, nous avons parlé de Magnum Ben. Eh bien, c'est un plus gros batteur dans l'histoire musicale haïtienne, un artiste qui est le plus respecté dans l'instrument, ça, c'est Tico Pasquet. Photo ça, nous pouvons l'expliquer pour peut-être pas. Nous capables de voir Mario de Volsi qui, derrière, on joue Timbales et qui était choisi photo ça. Pour l'album qui est Super Mario 4. Mario de Volsi, il y a un plus gros joueur Timbales que nous avons, qui j'aime passer dans l'industrie. Ça. Et le Mario a fait chaud, ou après que le vin avec Timbales, c'est pour le faire chaud. Par exemple, au capable là, c'est Timbales a choisi comme cover pour l'album. Nous avons Timbales là, et nous avons deux feuilles cymbales. J'aime d'abord expliquer nous, ordinairement, les gens qui jouent Timbales dans le jazz, ils taillent cymbales tout. Donc Mario de Volsi, il y a un monde qui marque la musique haïtienne. Et nous te disons ça, batteur ordinairement, c'est des grands compositeurs. Si nous considérons la musique première communion que Mario de Volsi créé pour la formation Bossa Combo, tu composé pour la formation Bossa Combo, c'est une musique qui était gravée dans l'histoire musicale haïtienne. Il y a des musiques qui viennent caler, mais il y a des musiques qui c'est batteur à composer, la musique ça a été. Et encore une fois, rappelez-nous que Richie c'est un plus gros compositeur que nous avons dans les derniers 25 ans là et c'est un batteur que lui. Mario de Volsi tout composé un pile gros hit pour la formation Bossa Combo. Moi dis-nous encore, batteur occupé un rôle de leader, de grand leader aux jeunes comme batteur. Ça c'est Herman No, mon qui créé Tabou Combo. Instrument que monsieur t'apprend à jouer l'école, c'est trompette. Mais nous venons jeune monsieur a joué Timbales dans un premier temps avant que il devienne chita des batteries hein, dans la formation Tabou Combo. Moun ki sou écran nou la, c'est Smith Jean-Baptiste. Et bien Smith, c'est à monsieur qui a crédit taille cymbale là. Avant Smith, pas de gars fait taille cymbale. Tchap, 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 tchap. Je dis à tout le monde qui a taille cymbale, qu'on va dire, c'est Smith Jean-Baptiste qui vient avec concept taille cymbale là. Qui est-ce que monsieur te conjoint avant de chita des batteries? Timbales. Là, c'est Arsène Apollon. Arsène Apollon, c'est encore une fois un batteur, grand compositeur qui compose un pile en pile en pile gros hit dans Skacha. Surtout, m'a rappelé nous, belle grande musique Skacha, musique immortelle Skacha, c'est musique haïtien qui dit matin, moi levé, yeux m'ouvrir, nous comme musique ça. Ah ben, c'est monsieur ça qui compose les c'est lui tout qui était bas jazz Skacha, non Skacha. Mais un autre gros joueur, Albando Kessler. Bon compositeur. M'dis-nous ça, musique batteur composé, c'est musique qui était immortelle. Nous comme musique David DP Express là. Nous comme musique David DP Express là. Eh bien, monsieur grand point il a dans Armando Kesslin. Eh bien, c'est pas dans DP Express seulement que t'es jeune monsieur, il était passé dans Show Black, il était passé dans plusieurs jazz. Mais au début, c'est Timbales que monsieur était conjoué dans Bossa Combo lorsque Jean-Pierre tape joué batterie. Même Jean noté ouais dans. Et Jazz des jeunes, tu as une batterie plus Timbales. Bossa Combo, dans un premier temps, tu as une batterie plus Timbales. Jean-Pierre était sous batterie. Armando Kesslin était sous Timbales. Armando Kesslin fait une belle carrière musicale. Pas oublier. Belle bagarre que monsieur remet tout dans la formation Les Frères des gens. Ok? C'est un gros coquin jeune musicien, bon compositeur, qu'on va dire. Et un grand leader tout dans la bande RA. Tout comme vous dites, il y a un gros compositeur qui jouait dans la bande RA, qui jouait batterie. Dans le combat direct là, donc il faut mentionner que batteur ordinairement c'est le grand leader. Batteur a rempli un rôle important parce que c'est derrière jouer. Donc il y a un contrôle. C'est lui-même qui fait point, virgule,
aller à la ligne, le pour ramasser compas, bracatouf, lorsque monsieur, c'est lui-même qui marque tant. Donc, il y a un rôle de leader qu'il remplit et ordinairement, batteur, il n'y a pas de crap dans le monde. Ok? Soit faut interview avec un batteur, fais pile attention parce que batteur a toujours à chercher la précision. Donc ou même qui jeune animateur, si vous faites une interview avec un batteur, moi dis encore faire pile attention qui joue pas la velle parce que c'est un monde qui toujours à chercher la précision. Sur écran qu'on là, c'est Kouloute, Edner Kouloute. Monsieur t'a joué parce que monsieur a une belle carrière musicale dans DP Express et tout Superstar Music Machine. Ou ka pa konn ça? Kouloute, c'est un gros compositeur de carnaval. Et, m'a dit un plus gros secret, depuis le carnaval Sutniki dans un premier temps, dans la première année Sutniki, c'est Kouloute qui te connaît dès le composé carnaval, qui vient avec un pile belle partie dans le carnaval Sutniki. Un pile jazz qui a monté carnaval, toujours à l'ouest, il est capable de joindre Kouloute pour t'aider. Malheureusement, Kouloute quitte nous déjà, lui-même, il mourit déjà. Même Jean Almando, tout mourit déjà. Kouloute quitte nous déjà, tout lui-même. Sur écran là, c'est Ernst Rampono. Ernst Rampono, t'es joué dans les frères des gens et il était marqué présence li dans la formation Skacha Number One. Plus près de nous, il y a un artiste qui fait un pile bel bagarre dans les années 90 là, c'est Patrick Apollon. OK, il y a l'autre Apollon, Patrick Apollon qui lui-même tout t'es un gros frappeur, un bon batteur qui t'est joué dans la formation Zen. Nous connaît belle période Zen mes amis, ça c'était Patrick Apollon qui t'a joué batterie pour eux. Sous le compte actuellement Ricky Juste, nous ca songer Ricky Juste. Et qui juste qui lui-même pas joué encore car nous connaît l'estime est un musicien de valeur mais pas joué batterie encore car nous connaît qu'il était perdu un jambe ni dans tremblement de terre 12 janvier là qui juste pas mourir dans tremblement de terre là mais il sorti victime car il perdu jambe ni et nous connaît que jambe là sont partie très important pour un batteur donc Ricky Juste batteur cadence donc qui style a joué musique mais qui malheureusement pas joué batterie encore à cause de il perdu un jambe dans le tremblement de terre 12 janvier 2010. Système Ben offre nous Tijan Maturin. Tijan Maturin, pour un batteur qui peut rouler baguette sérieusement. En plus, le monde a tendance à aller monsieur Tijan Marassa. Je fais correction pour nous là. Ce n'est pas monsieur qui Tijan Marassa. Monsieur son musicien. Tijan Marassa, c'est un fanatique système Ben. Il n'y a pas de jambes de musicien dans système Ben. Monsieur le Tijan Maturin, un coquin chaîne batteur qui marque présence dans la formation système Ben. Également dans la formation système Ben, nous jouons Michel Blaise. Michel Blaise qui non seulement un batteur, mais lui-même tout qui connaît chanter tout dans jazz là. Et un homme qui compose un pile belle musique pour système Ben. Et sous l'écran là, actuellement, c'est Yvon Jérôme. Yvon Jérôme, nous connaît un bel passage au sein de la formation musique. Même si tu quittes la musique là, pour te apprendre une carrière politique. Un homme qui marque présence li dans la musique haïtienne, c'est Waltz Lenné. Waltz Lenné de la formation Jackout Music, passé une tournée dans la formation Jackout Number One. Et bien, Waltz Lenné, encore une fois, c'est un batteur, un gros leader en dedans de jazz, un monde qui est très vocal. Donc, c'est un monde qui, encore une fois, pas prend crap dans le même monde. Soit pour interviewer avec Waltz Lenné, attention quand je parle avec lui, parce que batteur, il a toujours cherché la précision. Il va parler avec lui, attention, veillez sur Abdi. Et Waltz Lenné, il y a un monde qui est très vocal. Et un gros leader et un gros showman tout. Nous comptons des musiques qui dit La Familia, nous comptons des musiques qui dit Manigueta, mais tout ça c'est une grosse idée que l'artiste a venu. Nous disons ordinairement, batteur, il n'y a pas choisi de battre, c'est batterie qui choisit. C'est l'instrument qui choisit. Donc, il y a un bagage spécial dans la caille. Et des musiques que vous faites, des coups de chorale que vous quittez pour nous, c'est bagage qui était marqué pendant des décennies. L'autre batteur qui a évolué de nos jours, nous avons parlé de Chanel Julmis qui jouait dans New Look. Nous avons parlé de nos jours de Kelly Sena qui jouait dans Zinglin. Très beau batteur. De Joël Anglade que nous connaissons qui font un bel passage dans Karimi et qui de nos jours a joué avec Kai. L'autre jeune qui marquait présence li dans sous instrument ça, dans le dernier temps, c'est Marvin Bastien qui fait un bel passage dans la formation T-Vice. Nous pas oublier tout, Vladimir Alexis qui te joué dans Creole là. Qui prend un recul. Nous avons à Maryland, Mirko Walker, qui est un petit Mickey. Ah ben Mickey lui-même, c'est un coquin chaîne batteur qui frappe très bien, qui joue dans la formation locale. Nous avons tout Rudino, qui est petit Hermano, qui a fait un bel passage tout avec la formation Karimi, et qui de nos jours continue à jouer dans Jazz Papal de créer un tabou combo. Pour nous conclure, nous avons dit que Jensen Desrosiers, qui
c'est un gros coquin chien artiste, bon compositeur, bon batteur. Ça que fait me finir avec elle, c'est parce que je devrais arriver sous nous, sous Tijojo. Carl Sylvain, alias Tijojo, c'est le dernier artiste qui a joué Timbales dans le compas direct là. Et c'est dans la formation Phantoms. Pendant que Jensen Desrosiers tape joué batterie, Tijojo lui-même a joué Timbales pour la formation Phantoms. Comme étant donné, moi-même, moi toujours à fait classe compas et moi-même, bah, preuve à l'appui, je vais vous montrer nous. Tijojo qui a joué dans Phantoms, Timbales dans Phantoms, pendant que Jensen Desrosiers lui-même est sous batterie. Sous l'écran là, mesdames, messieurs, c'est la formation Phantoms. Là, nous sommes capables de Timbales. C'est Carl Sylvain, alias Tijojo, qui a joué Timbales là, dans la formation Phantoms. Et derrière Sharon là, avec Desrosiers là, c'est jeu batterie. Hein? C'est là, nous jouons Jensen Desrosiers qui a joué batterie. Donc Phantoms a joué avec tambour, batterie, gong, Timbales dans le derrière. On va regarder ça. C'était Jean-Claude Bivens qui te présente une autre édition, une page dans l'histoire compas. Je souhaite que tu enjoy, partager avec l'autre monde. Et pas oublier abonner à la chaîne là, Bivens Staff Posé, pour une autre édition comme ça.